Bonjour et bienvenue sur Les Délices de Corylus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle de Bernard Werber, La montre karmique, qui est parue en 2010. Cette nouvelle d'anticipation nous place dans un monde où les gens possèdent des montres karmiques, leur indiquant l'état de leur karma. Suivant leur action, grâce à cette montre, ils peuvent savoir en quoi ils se réincarneront dans leur prochaine vie. Un matin, Thomas Ciccielli constate que son karma a considérablement baissé. Il se demande pourquoi et il va essayer d'y remédier. Je trouve que la couverture est bien associée au titre, la montre karmique, et nous emmène dans un autre monde, un monde où le karma a de l'importance. Cette nouvelle se lit très rapidement. Effectivement, elle fait une trentaine de pages. Le héros n'est là que pour porter l'histoire, ce n'est pas lui la vedette. Et la chute apporte la morale et fait sourire. Donc c'est un bon petit moment de lecture. Il faut savoir que Bernard Werber a mis cette nouvelle à disposition des lecteurs et donc elle peut être téléchargée gratuitement. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et si vous voulez en écouter d'autres, vous pouvez les retrouver sur mon blog Les Délices de Corylus ou sur la page Facebook associée. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.